Regarde, c'est une statue de ton père, Cronos. Eh ben, voilà un autre de mauvais père. Presque autant que moi. Non, arrête. Lui a essayé de te dévorer, quand même. Et ma mère, Rhea, lui a donné une pierre à la place. Je me demande si elle a bien fait. T'as peut-être raison. Ah, ok. Carrément. Non, ce que je veux dire, puisque tu en parles, cette statue devrait peut-être avoir une pierre dans la main. Phoenix approcha de... Ce n'est peut-être pas le bon moment. Vas-y, dis-le, de la tour de Métis, mon ex-femme et la mère d'Athéna, que j'ai dévorée vivante. Waouh. Je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment atroce, comme mon père. Tu pourrais peut-être en parler avec lui. Créer un lien père-fils. Oui? Non? Prométhée. Je l'ai jeté en prison.
Et voilà, c'est bon, c'est réparé. Contrairement à ma vie. Hé, hey, s'il t'avait dévoré, Déméter, Hestia, Héra, Hadès et Poséidon seraient tous dans son ventre à l'heure qu'il est. Oui, tu les as sauvés. Oui, enfin, je les ai surtout condamnés à l'immortalité à côté de moi. Je me demande ce qui est pire. Hadès, il t'aime. Oui, il m'a donné 2 amphores de vin à rapporter chez moi. C'est ça, l'amour ? Des éclairs de ma forge pour réchauffer ton trajet. Merci, Héphaïstos.
Je pense que ça fait une éternité que j'attends la lance à pointe de diamant que j'ai commandée. L'inspiration ne vient pas sur commande, Arès. Mais toi, oui. C'était une expérimentation privée sur le comportement animal. Et c'était la dernière fois. Ah. En contrebas, l'île d'or semblait presque paisible. Ne t'arrête pas pour admirer la vue, Phénix. Tu y es presque. Allez, il faut battre l'Iguiron. Pendant des semaines, j'ai fait la fête avec Hadès alors que le monde était en feu et que mes enfants avaient besoin de moi. Je n'ai jamais été là pour Hera. Tu avais l'esprit très occupé. Je ne sais même pas où elle est en ce moment. Oui, c'est... triste. Désolé. Thank you.
Phoenix était résolu à atteindre le sommet. La vue du pic lui donna de l'espoir. Non, c'est pas intéressant. Je ferais mieux de passer. Prométhée, avance. Raconte-moi l'histoire. Et soudain, des monstres apparurent. De l'action, du frisson. Arrête, Prométhée, non. N'essaie pas de me remonter le moral. D'abord c'est gênant, ensuite ça sert à rien. J'ai continué à tromper Hera. Ce que je voulais, moi, c'était m'amuser. Je n'ai jamais voulu être père. Je n'ai jamais pensé qu'à ma pomme. Oh, est-ce que ces chaînes me font mal? Non mais ça t'ennuie qu'on parle de moi, deux secondes? Soudain,
une perle roula. Phénix se demanda si les huîtres, ça se dissimule et... Prométhée, s'il te plaît, arrête. C'est nul. Tu n'as aucun talent comique. Alors oui, tu as fait rire deux, trois Pékins sur la place du marché, un camarade de classe, et puis tonton Michel quand il passait pour Noël. Mais tu n'es pas... drôle.